Denis Sassou Nguesso, impliqué dans la tentative de coup d'État contre Félix Tshisekedi. Après avoir écourté son voyage dans la capitale Addis Abeba, où le président Félix Tshisekedi prenait part à une session ordinaire de l'Union africaine, un événement imprévisible, une information faisant état d'un coup d'État, aurait précipité le président congolais à rejoindre la capitale Kinshasa. Le chef de service de renseignement avait été appréhendé pour des faits graves, notamment celui d'un complot avec une puissance étrangère en vue de déstabiliser les institutions de la République. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes en la matière. Soulignant que le chef de renseignement appréhendé était en étroite collaboration avec Jean-Dominique Okemba, député grand maître franc-maçon de la Grande Loge de Brazzaville. Selon des sources bien introduites et bien informées au sein du gouvernement de la RDC, République démocratique du Congo, le dictateur Denis Sassou Nguesso serait impliqué. Une information vérifiée et confirmée juste après l'arrestation d'un présumé suspect qui se trouve présentement dans les locaux de l'ARN. Le dictateur Denis Sassou Nguesso est le porte-voix du néocolonialisme de l'Occident dans la sous-région des Grands Lacs. Il avait fait l'objet des mêmes accusations par les autorités de la Centrafrique et du Gabon. D'ailleurs, il nourrit une haine inexpliquée à l'endroit d'Ali Bongo, qu'il avait récemment humilié lors du sommet de la COP26 à Glasgow. Denis Sassou Nguesso, âgé et vieillissant, s'est inscrit dans un registre d'une autre époque. Arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire en juin 1997, son régime n'est pas non plus à l'abri. La véritable question qu'il faut se poser, pourquoi ce vieux sénile tente-t-il de renverser le jeune président Félix Tshisekedi? Pour le compte de qui? Jean-Dominique Okemba tente de financer un coup d'État contre les institutions de la République démocratique du Congo. C'est une affaire que nous y reviendrons dans nos prochaines publications. Sur ce, nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous, mes amis.